Alors, on se retrouve sur le logiciel DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage professionnel et gratuit. Il existe une version payante avec plus de fonctionnalités, mais déjà la version gratuite propose énormément de choses. Donc là, je vais démarrer un nouveau projet. Donc, nous allons voir comment gérer les clips, comment travailler avec un fond vert dans DaVinci Resolve. Et alors, donc d'abord ici en bas, je vais aller dans l'interface média et je vais aller chercher mes clips. Alors moi, mes clips sont sur mon bureau. J'avais déjà créé un favori pour ne pas aller le rechercher. Donc, si on cherche le dossier, on va ici sur le disque dur. Je vais chercher dans le dossier User, Max, Bureau, Desktop. Et là, je retrouve ce qu'il y a sur mon bureau. Donc moi j'avais mis dans test fond vert, j'avais mis mes différents clips, voilà, et mes images. Donc je vais tout glisser, je sélectionne tout et je vais les mettre en dessous pour les ajouter à mon projet. Alors soit je les glisse en dessous, ou soit je clique sur le bouton droit et je fais ajouter à la bibliothèque de médias. Je vais glisser. Alors là, il me dit que la fréquence des images n'est pas la même que celle dans le projet, donc je vais faire modifier. Voilà. Ça veut dire tout simplement que mes clips ont été tournés à 50 images par seconde et que là, le projet, il devait être réglé à 30 ou 25 images secondes. Donc j'ai dit modifier. Voilà, donc là, j'ai mes médias. Donc maintenant, je vais passer dans la partie montage. Donc dans la partie montage, je vais glisser une image. Allez hop, je glisse une image. Voilà. Hop, je peux même l'allonger. Et je vais glisser donc la partie où je parle avec un fond vert. Je vais la redimensionner. Voilà. Allez hop, je réduis. Juste pour l'exemple, ça suffit. Donc voilà, donc là actuellement, évidemment, on ne voit pas mon image parce que j'ai superposé un clip au-dessus. Donc on va voir comment enlever le vert. Alors, pour enlever le vert, on va aller dans la partie étalonnage. Donc je clique ici. Voilà. Ici, je vais ajouter une sortie alpha qui est ici et je vais relier mon clip à cette sortie alpha. Alors maintenant que j'ai relié mon canal alpha, je vais me servir de la pipette qui est ici, là, et je vais cliquer vers une zone verte. Donc là, on voit qu'il a sélectionné le vert, et sauf que moi, c'est le contraire. Là, il a enlevé, il m'a enlevé. Donc je vais cliquer sur le bouton inverser pour inverser la sélection. Donc là, j'ai déjà enlevé une partie du fond vert. Donc maintenant, je vais utiliser la pipette avec le plus pour rajouter d'autres zones. Donc là, je vais essayer d'aller cliquer pour enlever le maximum de vert. Donc là, on voit que ça commence à être un peu mieux. Je vais zoomer avec ma molette. Voilà. Donc là, en fait, je ne fais qu'ajouter des zones. Oh là, je suis allé un peu près. Voilà. Hop. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajuster cette sélection en utilisant ici le curseur qui est là. Voilà. Je vais pouvoir, voyez, balader mon curseur en l'agrandissant. Alors évidemment, si j'écarte trop, il va me sélectionner d'autres couleurs et là, je vais disparaître. Voilà, je peux jouer là-dessus et déplacer mon curseur. Donc là, il va effacer toute cette gamme de couleurs. Je peux également jouer sur la réduction du bruit pour affiner un petit peu les contours. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'image là. Par exemple ici, là, on va pouvoir un petit peu affiner. Je vais adoucir un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est à peu près bon. Alors, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit que le découpage est plutôt bon.
Alors voilà, ce logiciel est quand même complexe à aborder, hein. C'est vraiment un logiciel pro qui permet de faire pas mal de choses. On a même une solution d'étalonnage. L'étalonnage, c'est ce qui permet de corriger toutes les couleurs à l'écran, hein. C'est ce qui nous a servi notamment pour enlever le fond vert. Donc c'est vraiment un très très bon logiciel, mais un logiciel complexe. Donc est-ce qu'on peut travailler avec pour enlever des fonds verts? Oui. Dans un usage scolaire, pour un usage scolaire, oui, mais alors le travailler avec des élèves, ben, je vous laisse juger quoi. Moi, ça me semble un petit peu compliqué, hein. Déjà, moi, j'ai eu un peu de mal. Alors, voilà, donc logiciel validé.